Community Toast Tomate. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 50 du 100 Baby Challenge. Dans le dernier épisode, il s'est passé un truc hyper choquant. Je vais pas spoiler ceux qui ont pas vu, mais ceux qui ont vu, vous savez. Donc aujourd'hui, on va essayer, écoutez, de surmonter ça et de faire avec. Et écoutez, trêve de blabla. C'est parti. Bon, on était rentré des vacances la dernière fois. Je vais enlever les berceaux ici qui gênent un petit peu. Et donc, écoutez, là je vais devoir spoiler, hein, sinon on va pas avancer. J'espère que vous avez vu l'ancien épisode. Mais en gros, on a Timothy qui est décédé. Donc Timothy qui était notre enfant et qui en plus était devenu jeune adulte, il est décédé le jour de son anniversaire et il devait déménager ce jour-là en plus. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a une place en plus dans le foyer, mais c'est pas tellement comme ça que je voulais que ça se passe. Donc là on a tout le monde qui est triste et tout, enfin c'est affreux, vraiment c'est horrible. On va faire des petits câlins réconfortants à Moumoun et écoutez Hector, pas du tout, Timothy va rester ici, hein, parce que c'est notre enfant. Et donc dans cet épisode on va pouvoir faire un autre bébé vu que Timothy n'est plus là. Donc écoutez, c'est bien et pas bien. Oh mais regardez Loretta, elle est toute seule. Normalement il y avait son frère qui dormait avec elle. Non c'est trop triste. Bon lui il fait ses devoirs pour se changer les idées, ok. Là du coup on va devoir mettre des lits superposés puisqu'on a fêté l'anniversaire des jumeaux. Mais j'arrive pas à croire comment il est mort, mais c'est incroyable. Ok j'ai mis ça comme ça mais on va rénover après de toute façon. Hein. Ok comme ça lui va pouvoir dormir et elle aussi, voilà. Je pense qu'on va tous aller se coucher clairement parce qu'on est tous épuisés. Ah, mais j'ai deux bambins, j'avais pas vu. Oh, l'âge adulte, Loretta vie, et il se passe que des trucs de fou. Il se passe que des trucs de fou. Faut savoir que moi je tourne les deux épisodes à la suite là, donc je suis un petit peu qu'est-ce qui se passe, il se passe plein de trucs là. Ok donc Loretta est adulte clairement, je suis un petit peu choquée là. Attendez mais il y a pas de place pour ce bambin. Oh là là, c'est pas possible. Bah non, clairement on va pas y avoir de place là. Je crois qu'il va pas pouvoir y aller dans le bambin là dedans. Genre est-ce qu'il va pouvoir y aller? Ah oui, il peut y aller. Oh bah top, super. Donc écoutez, tout le monde va aller se coucher, ce sera mieux. Et le lendemain, on va essayer que tout se passe bien. Etc. Parce que là... Oh, c'était qui? C'est qui? C'est Sélénia? Oui, c'est Sélénia. Ah, parfait. Bah, viens, détruis tout. Y a pas de problème, ça commence très bien. De toute façon, on va rénover, donc... Elle a tout zigouillé. Ah bah alors là, super. Bah alors, génial. Hein. Mais non, mais Loretta, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi, mais ça va pas bien, ma fille. Bon, on va aller prendre le courrier, parce que vu tous les anniversaires qu'on a eu, je pense qu'on va avoir pas mal d'objets, là. C'est tout. Les factures? Pardon, mais on a eu plein d'anniversaires, comment ça se fait qu'on n'ait pas de cadeaux? C'est horrible. Oh bah alors là je suis déçue. Là, je vous cache pas, mais pourquoi elle fait de la guitare? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais vraiment qu'on allait avoir plein de cadeaux, mais what the fuck. Bon, Loretta, tant qu'elle est levée, je pense qu'elle va servir le dîner. Genre à 1h du mat', on peut servir le dîner, d'accord. Bon bah non, pas tellement. Tu vas cuisiner quelque chose, tu vas cuisiner brioche. Ouais, ça serait pas mal. Pour le petit-déj, moi je dis que c'est pas mal. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une soucoupe volante niche? Ah, c'était Sélénia. Vous savez ce qu'on va faire? Je pense que là, aujourd'hui, on va faire un bébé. Hein, évidemment, parce que c'est un peu le but. Et il faut, du coup, qu'on remplace Timothy, même si c'est horrible à dire. Mais elle est où la brioche qu'elle a fait? Elle a pas fait de brioche? Je comprends pas, là. Bon, bah, je crois qu'elle a abandonné, hein, j'ai pas compris. Bon, bah, fait toast avec des œufs, groupe. Voilà, ce serait bien. Non, mais Sélénia, elle est en train de denter l'urne de Timothy. Non mais alors ça, si c'est pas un manque de respect Sélénia, franchement je sais pas ce que c'est. Ok, elle a préparé le petit déj Loretta, donc super, on va appeler à table, comme ça tout le monde va venir se servir. Ok, tout le monde est en train de venir. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille fermer le lit déjà. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas faire du yoga dehors? Bon, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas? Allez, va faire ton petit yoga. Ok, comme ça, moi, ça va lui faire du bien. Je pense qu'elle en a grandement besoin. Et Loretta, elle va s'occuper un petit peu des petits. Ça, je vais le ranger. Par contre, le tableau qu'elle a fait là, il est incroyablement beau. Moi, je l'adore. Il est trop, trop joli. Ah, mais là, ça lui fait du bien. Elle est en pleine nature. C'est très, très cool. Je pense que dans cet épisode, du coup, l'objectif, c'est de faire un bébé. On est d'accord. Et aussi de rénover le haut. Parce que là, ça va pas du tout. On n'a pas assez d'espace. Donc là, quand il sera l'heure, je vais inviter un des papas. Enfin, un des futurs papas. Parce qu'on l'avait déjà un peu dragué à là, il est ici. Comme ça, on fera un petit baby et écoutez, pendant ce temps, on rénovera et on s'occupera des autres bébés, évidemment, parce qu'il faut s'en occuper. Ah, lui, il est super crado, ok. Je crois que c'est Marc, hein. C'est Marc? Ouais, c'est Marc. Oh, elle meurt de froid. Non, 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 non. Ah non, hein, si tu commences à clams aussi, moi, j'en peux plus, hein. Tout le monde clams, super, j'adore la vie. Bon, bah, tant qu'elle est en forme, elle va aller faire une courte promenade au petit Neko et ensuite, elle invitera ou elle lui prendra un rencard avec, avec l'autre, là. Ah, mais elle est là, la brioche qu'elle l'a fait tout à l'heure, d'accord. Elle l'avait posée ici. Quelle idée aussi. Voilà, la petite balade qui va bien. Loretta, elle s'occupe des bébés, super. Oh, regardez comme c'est canaille, c'est trop mignon. Elle, qu'est-ce qu'elle fait dehors? Bah, elle fait rien du tout. Donc, elle va parler à sa sœur, etc. Voilà, on va lui parler. Lorena, elle est toujours avec le petit Moumoun. Acheter un lave-vaisselle, acheter une table d'activité. Ah ouais, bah, un lave-vaisselle. C'est vrai que ce serait quand même pas mal, un lave-vaisselle. Donc, on va le... Hop,
l'épingler. Et ça, c'est quoi? Une table d'activité? Pourquoi pas aussi, on va épingler ça. Oh, Dylan a fait ses devoirs. Trop bien. Ah, ils partent tous les deux à l'école. Ok. Là, ça veut dire que mes bambins, ils sont tout seuls à la baraque. Donc, il vaudrait mieux que je rentre. Hein, pourquoi pas? Hermione qui m'appelle. C'est agréable de t'entendre, Lorena. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Yua. Elle semble être de bonne compagnie. Bah ouais, pourquoi pas. Je sais pas qui c'est, mais. Phoebe, qui veut aller au concours des geeks. Non, merci. J'ai trop de choses à faire, ma petite Phoebe. Allez, allez, va faire pipi. Tu vas te faire pipi dessus. Vite, vite, vite. Ok, cool. Ouh. On va appeler Nekomomoon pour qu'il vienne. Pas qu'il se perde un petit peu. Et on va inviter, du coup, le mec que je vous disais, il est où, il est où, il est là. Ok, il arrive, il arrive. Bon, on va un petit peu le draguer. Oh mince, je suis triste. On va essayer d'être enjôleuse. Cadeau romantique, un tapis de yoga, parce que j'ai vu qu'on en avait deux. Ah, il est tendu, je crois qu'il aime pas les enfants. Bah, t'es pas prête, ce qui t'attend, là, franchement. Ah, Fleur qui m'appelle. Non, on a vraiment pas le temps, ma petite Fleur. Ok, il aime bien le cadeau, super. Ah, il est enjôleur, trop bien, trop bien, trop bien. Mais nous, on n'est pas enjôleuse du tout, hein. Ça va pas du tout, du tout. Ah, on n'est pas du tout, du tout enjôleuse. Ah, ça va pas le faire. On est trop triste, en fait. On a trop de tristesse. En même temps, Timothy vient de décéder. Oh, il nous chante une musique, c'est trop mignon. On ne va pas y arriver. On va pas y arriver, je vous jure, on va pas y arriver. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On va ouvrir le lit déjà, on va préparer le terrain. Hermione, non, non, viens pas. On est occupé là. On est très occupé là, vraiment. Ok, essayez de faire un bébé avec Patrick. Ok, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh, devant les bambins. Mais au secours, mais c'est gênant. Ah, il sort, c'est bon. Oh, c'est quoi ce peignoir? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On prend tout, on prend tout. Oh là là, j'ai peur qu'il y ait des gens qui rentrent. Bah oui, bah c'est le cas. Attendez, je vais faire un test de grossesse. Elle est pas enceinte, les gars, elle est pas enceinte. Oh, elle est triste, elle est retriste. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et les enfants, ils rentrent. Non, les gars, pourquoi ça a pas marché? Oh non, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. En plus, elle fait ça devant sa fille, mais quelle honte, non. Non mais ça va pas du tout. Non mais c'est un calvaire là. Franchement, j'arrive pas à la rendre enjôleuse. J'arriverai pas. En plus, il y a les enfants et tout. Laisse tomber, comment c'est gênant. Allez, je pense qu'elle va se donner des paroles d'encouragement pour baisser. Oh, ça y est, ça y est. Ok, ça y est. Faire un bébé avec Patrick. Ok, 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 ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non mais il y a le bambin dessus le lit. Non. Il y a le bambin sur le lit. C'est pas possible. Au secours, non. Allez-vous-en. Oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh bah alors là, il y a tout le monde. Oh bah alors là, il y a tout le monde. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Y'a pas un buisson ou je sais pas quoi? Ah voilà, trop bien. Vas-y, vas-y. Ok, super. C'est parti, c'est parti. Allez, là c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne, Lorena. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, je pense qu'on va le faire deux fois pour être bien sûr parce que je veux pas me retromper. Ah, mais elle est retriste. Ok. Là, si ça a pas marché, je pète mon watt. Je pète un câble. Ok, ok, ok. C'est parti. C'est bon, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à mes yeux, je n'y crois pas à mes Mireilles. Je suis choquée, je suis très contente. Par contre, on va nettoyer cette douche avant de reprendre une douche dedans parce qu'elle a l'air infecte, dégueulasse. Voilà, c'est mieux. On va aller se doucher et on va aller dormir. Parce que franchement, la pauvre, je sais pas comment elle fait, mais c'est un calvaire, c'est un calvaire, je vous jure. Ah bah, elle peut pas aller se doucher. Bon bah, elle va dormir directement, c'est pas grave. Cet enfant, elle va aller dormir. Lui, il dort. Lui, elle, pardon, elle est sur l'ordi, va dormir, s'il te plaît. Et Loretta, elle prend le bain. Bon, alors, on va laisser faire ce qu'elle veut, elle est grande, hein. Mais Loretta, juste après, faudrait qu'elle aille donner à manger à Neko, parce que là, il a plus rien dans la gamelle. Qui c'est qui tape? C'est qui, toi? T'es qui? Audrey Kobayashi? Je sais pas qui t'es, hein. Je pense que le lendemain, du coup, vu qu'on est enceinte et tout, ça c'est fait, on va faire des toiles pour gagner un peu plus d'argent. Oh non, elle est toute sale. Pour gagner un peu plus d'argent, ouais. Et commencer à faire une grosse rénovation, pour que ce soit un peu plus joli, etc. Oh, regardez! Mais adorable! Mais... c'est trop mignon! Je savais même pas qu'il pouvait rester là sous le lit! C'est trop chou! J'adore! Parce que là, on a un tableau, il vaut 2003, mais j'ai pas envie de le vendre, il est trop beau. Celui-là, oh, 200, celui-là? Purée, je le trouve magnifique, mais celui-là, je le vends pas, c'est hors de question, il est trop beau. Vous pouvez me torturer, je ne le vendrai pas. Il est trop magnifique. Par contre, toutes les assiettes là qui traînent, on en parle ou pas, c'est dégoûtant. Je pense qu'on va faire en sorte d'avoir une plus grande cuisine, hein, parce que là, elle est vraiment minuscule, genre le frigo, il est là, enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Il va falloir qu'on déplace tout, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Je savais même pas qu'un lit, ça pouvait se casser, genre. Incroyable. Incroyable. On a Dylan qui parle avec Morticia, genre, n'importe quoi. Tout va bien. Ok, tout le monde se réveille tranquillou. Je pense que je vais sortir un peu la brioche qu'elle avait fait. Et je vais préparer quelque chose à côté, genre, qu'est-ce que je pourrais préparer? Salade de fruits, ça va hyper vite. Comme ça, au moins, ils vont manger très très vite. Ah, les cours, ils commencent très bientôt. Ce serait bien que... oh,
Qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort? Il y a personne qui est mort? Il y a quelqu'un qui est mort là? Attendez, je comprends rien. Ok, il y a un décès. Hermione est décédée. Oh non! Hermione, c'était la dernière sœur de Lorena. Donc voilà, elle est quick. Parce que du coup, au niveau de l'arbre généalogique, nous avons ça. Et du coup, il ne reste que Ron comme frère de Lorena. Mais tous les autres sont décédés. Oh non, c'est trop bizarre de voir leur tête. Genre, vous vous souvenez, genre Gaspard et tout. Oh, incroyable! Et donc là, c'est tous nos enfants. Bon bah, lui, il est mort, hein, clairement. Oh, mais regardez, on a son arrière-grand-père et tout. C'est incroyable. Oh, et ça, c'était ses demi-frères et demi-sœurs. Oh, c'est grave cute. Est-ce que mes autres enfants, ils ont des demi-frères et demi-sœurs? Donc, elle, non. Non, non plus. Et non plus. Ok, il y a que Timothy qui avait des demi-frères et demi-sœurs à ce niveau-là. Incroyable. Oh, encore un décès. C'est quoi ça? Ron, et ben voilà. Lorena n'a plus aucun frère et sœur dans sa lignée. C'est grave triste. C'est grave, grave triste. Lorena est la dernière. C'est incroyable. C'est trop triste. Oh non, c'est trop triste. Bon, je vais donner un bain aux deux monstres. Et ensuite, on fera des toiles. Oh, mais elle a été interrompue parce qu'elle veut faire pipi. C'est horrible. Ok, bon. Allez, fais pipi. Et on va relaver Sierra, du coup. On a Nicolas qui se prélasse. Il a pas l'impression de gêner. Genre, il est un peu dans nos pattes. Ok, voilà. Ils sont tout propres. Ça, on va nettoyer. Et on va faire des petites toiles. Ok, c'est parti. Fleur qui veut venir. Bah ouais, comme ça, elle va s'occuper de ses frères et sœurs. Ce serait cool. Oh, regardez-les. C'est trop mignon. Bon, par contre, celui-là, il faut que je le vende, hein, parce que je peux pas garder tous les tableaux qu'elle fait. Mais vu comment c'est parti, ouais, je vais le vendre. On dirait un peu la Joconde, genre. Si c'est ça, franchement, ah ouais, c'est un peu ça. Vas-y, dites-moi que c'est un chef-d'œuvre, comme ça, je le vends. C'est un chef-d'œuvre que j'ai terminé? Oui. Oh, 3000, les gars, 3000, incroyable. Allez, vite, va le vendre, on s'en fout du mioche. Allez, allez, oui. Oh, incroyable, trop bien. Il faudrait trop qu'elle fasse un chef-d'œuvre et là on serait bien. Là on serait pépite, vraiment. Non mais Hector qui veut aller encore à un rancard. Non merci Hector, on n'en peut plus de toi. Hein. Non mais Dylan, mais tu pues, va te laver, mais c'est pas possible. Ces gosses, c'est toujours un mystère pour moi. Hein. Ils puent la mort et ils sont là, ils mettent des croquettes, tranquille, ça va, tout va bien. Mais non, tout va pas bien, tu pues le rat. Ah celle-là je crois qu'elle vaut pas très cher, je crois pas que c'est un chef-d'œuvre. Hmm. Tant pis. Si on peut au moins avoir 2000 avec ça, ce serait pas mal. Mais bon, je crois que je rêve un petit peu. Hermione qui nous appelle. Merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Yua. Bah tant pis. Eh, c'est cadeau. C'est cadeau. Je sais pas qui c'est, mais c'est cadeau. Oh, chef d'œuvre. Ok, 2000. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Presque 3000 boules. On est bien. On est très très bien. Ok. Alors là, on va faire une réno d'enfer. Bon, on va tous les téléporter dehors. Comme ça, je vais pouvoir bien rénover, bien faire mes trucs. Et écoutez, c'est parti. Hein. Mais non, mais ils viennent tous. Ils font tous n'importe quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Téléportez-vous très très loin, s'il vous plaît. Commencez pas à faire les zouaves, merci. On va les téléporter très loin, comme ça ils peuvent pas rentrer directement. Bon, tu sais quoi, j'abandonne l'idée. On va les laisser. Bon, ok, en termes de rénovation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, les assiettes, on va les mettre là, en attendant. Voyons, voyons. Déjà, la structure de la maison, il faudrait un petit peu l'agrandir, parce que là, il n'y a rien qui va. Genre, cette chambre est beaucoup trop petite, déjà, pour tous les enfants qu'on a. Donc, je pense qu'on va un petit peu agrandir comme ça, déjà. Lorena n'a toujours pas sa chambre. Ça, aussi, c'est un problème. Je pense que ça, c'est un problème. Et du coup, je pense que je vais un petit peu agrandir là. Hop, cet arbre, on va le bouger là. Et ça, je vais le grandir comme ça, ok. Et là, on va faire une chambre à Lorena, parce que c'est plus possible. À ce niveau-là, la cuisine, elle est beaucoup trop petite. Donc je pense que je vais faire comme ça. Et on va faire une géante cuisine, genre un truc vraiment cool. Déjà là c'est plutôt pas mal. Et en haut, alors en haut, attendez. Là on va réfléchir, je vais enlever les toits. Et on va réfléchir un petit peu. En haut ce qui serait bien c'est que bah finalement ce soit dans la continuité, comme ça. Ok. Voilà, que ce soit quand même assez grand. Mm-hmm. Attendez, je réfléchis. Là, on va couper ça aussi. On va partir comme ça. D'accord, ok. Au niveau structural, ça donnerait ça. Bon, évidemment, il faut bouger les toits, on est d'accord. J'aimerais bien quand même qu'il y ait une sorte de mur à ce niveau-là, parce que là, ça me paraît un petit peu étrange. Comme ça, ouais, ok. Et vous voyez, il reste pas énormément d'argent. Hein. Ça, c'est un petit peu inquiétant quand même, mais bon, on va faire avec. J'ai peut-être vu un peu grand pour le haut. Hein. J'ai peut-être vu un peu grand, mais pas tellement en fait, pas tellement, j'ai pas vu tellement grand. Genre moi, pour moi, ça c'est la bonne taille, tu vois. Après peut-être que ça, on pourrait un petit peu le rétrécir. Pourquoi pas, voyons, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Puis là, on met un toit. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, les gars. Je pense que je vais faire ça. Donc le toit, il va venir comme ça, ok. Là, je pense que niveau mur, on va aussi fermer à ce niveau-là, ok. Ah là, ça va changer du tout au tout, hein. Ça va être trop trop cool, hein. Et donc, au niveau des toits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Attendez. Ok.
D'accord. Dac-dac. Voilà. Là, j'ai envie de faire un balcon. Alors, je vais voir. Il faut que je fasse un balcon à ce niveau-là, je pense. Et donc, les toits, c'est bon. Là, le balcon. Alors, le balcon. Ça va être compliqué. Faut quand même que ce soit un petit peu moderne, genre, hein, sinon ça va pas. Ouais, comme ça. Clairement, comme ça, c'est parfait. Ok, d'accord. Le sol au niveau du dehors, ça, je l'avais pas encore vu, mais je n'avais rien mis. Donc, c'est pas terrible. Donc, je pense que je vais mettre ça. Voilà, super. Et donc, de l'intérieur, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Donc, ça, évidemment, je supprime. Voilà, ça aussi, hein. Je vais prendre des fenêtres. Je vais faire comme ça. Ok, très bien. Et là, je vais délimiter des pièces. Alors, attendez, je vais vendre des petits trucs pour délimiter tout ça. Déjà, je vais vendre tout ce que j'ai là parce que c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que j'ai là. Mais ça va faire la moula, hein. Ok, ça, c'est des plats que j'ai. Je sais pas ce qu'ils font là. Clairement, je sais pas ce qu'ils font là, mais bon, c'est pas grave. Alors, en termes de pièces en haut. Bon, là, on a le couloir, évidemment. Là, j'aimerais bien mettre une salle de bain. Genre, vraiment, une salle de bain. Ce serait miraculeux, genre. Qu'on ait une salle de bain à ce niveau-là, ce serait génial. Juste top. Ah, mais il y a le balcon. Ah, cacahuète. Bah alors non, du coup. Hein. Non, c'est juste pas possible ici. Bon, là, du coup, il faut une porte. Ça me semble logique. Comme ça. Voilà, pour accéder au balcon. D'accord. Voilà, pour accéder au balcon. Et du coup, la salle de bain, où est-ce qu'on pourrait la mettre? Peut-être ici, regardez, elle va très bien. Là, elle va bien aller, la salle de bain, ça va être cool. Et là, du coup, on aurait une chambre. Pourquoi pas? Comme ça, trop bien. Et il faudrait un autre espace. Quoique ça, ça peut être un espace de jeu. Je réfléchis. Parce que la chambre de Lorena, je pense qu'on va être en bas avec les bambins pour qu'elle puisse s'en occuper. Hein. Donc clairement, on va laisser ça comme ça, je pense. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ou alors on l'agrandit comme ça, la chambre. Ouais, ça me semble plus cohérent. Ouais, voilà. Ça sera une grande chambre. Pour tout ce qui est enfant, ado, etc. Donc là, par contre, ça va être un petit peu désordonné. Là, je pense que ce serait un petit espace de jeu. Mais là, ça me dérange en fait que ce soit comme ça. Et ouais, ça me dérange un peu. Quoique, non, c'est bien comme ça. On aura un petit espace bureau, des petits espaces pour. Non, ça va. Je sais comment je vais faire. Et du coup, en bas. Alors là, en bas. Alors là, faut que je réfléchisse. Hein. Faut vraiment que je réfléchisse. Je pense que là, va y avoir la chambre de Lorena. Ça me paraît évident. Mais évident. Voilà, nickel. Enfin, nickel. Bof, bof, hein. Ok, là, on va faire comme ça. Voilà. La petite salle de bain, on va la laisser comme elle est. Mais là, du coup, il va y avoir l'espace salon. Donc, l'espace salon, il va être complètement différent. Attention, ça va changer. Hein. Donc là, on va mettre l'espace télé. Voilà. Hop, ça, on va le laisser comme ça. Là, on va mettre un canapé, je pense. Donc, tout ce qui est aménagement et tout, on le verra après. Hein. Mais je pense qu'on va faire comme ça. Et là, du coup, il faudrait une porte pour la chambre de Lorena. Ok, d'accord. Ok, là, on est pas mal. Ça, j'ai envie de le mettre comme ça. Voilà. J'aime trop ces tableaux qu'elle a fait, ils sont trop jolis. Ok, d'accord. La salle à manger va rester comme ça, je pense. Ou alors, on va la déplacer là et on va la faire plus grande. Ouais, j'ai envie. Et là, la cuisine, elle dégage. Hein. La cuisine dégage. Oula, pas toi, par contre. Tu restes là. Ok, la cuisine, on va complètement la refaire. Ça, ça va dans l'inventaire. C'est la carte postale qu'Hector nous a donnée. Ça, j'ai envie de le laisser aussi. Ça aussi, ça aussi. Mais on va les mettre là en attendant parce que je ne sais pas où les mettre. Le tableau aussi, je sais pas du tout le mettre. Ah, peut-être ici. Peut-être ici. Il est trop beau. Et le petit calendrier, tu restes là. Ok, là, La cuisine, elle va partir de tout ça là-bas. Hop là, voilà. Je pense que ça, le frigo, on va le jarter aussi. Là, on va faire blanc, ok. Et la cuisine, elle va prendre tout ça. Tout ça, ce sera la cuisine. Je pense même qu'on peut la continuer comme ça. Ce serait pas mal. On va mettre une poutre plutôt orangée comme ça. Ouais, noir, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux. Donc là, on va faire la cuisine. Le carrelage de la cuisine, ça, c'est une bonne question. Peut-être le même que celui-là, on va voir. Ouais, c'est ce qui me semble être le plus cohérent. Et du coup, en cuisine, faut pas trop non plus que je me lâche. Hein. On n'est pas non plus millionnaire, faut se calmer, Sarah. Donc, je pense qu'on va partir sur une cuisine comme ça. Alors, pour le moment, je place tout comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Et ensuite, on modifiera. Ok, je pense que là, je vais mettre la gazinière et là, je vais mettre le frigo. Ok, le frigo, je sais pas. Je vais mettre ça, je pense. Et en termes de gazinière, j'ai envie de mettre ça, mais elle a l'air v'la chère, non? Non, ça va, ça va. La hotte, on va mettre ça, ok. Ok, ça va, on a quand même pas mal d'argent, on a quand même pas mal d'argent. Ok, cette fenêtre-là, on va la mettre là du coup. J'ai un doute sur les coloris ici. Je sais pas si je mets ça comme ça plutôt, ça a l'air plus doux, plus lumineux. Je pense que je vais faire comme ça. Hein. L'évier, alors l'évier, on va pas se permettre de mettre un truc hyper, hyper cher. On va mettre celui-là. L'alarme, très important, on va la mettre ici. Hop,
comme ça. Ok, pour le moment, j'aime bien. Ici, on va mettre un petit tapis. Hop, comme ça, voilà. Oh, c'est cute, j'aime bien. Ouais, des petites babioles pour le moment. Comme ça, ouais. Le truc à pain, super. Comme ça, ouais. Que ça fasse un petit peu animé, genre que ce soit une maison vivante. Hein. Ça me semble être pas mal. La cuisine me semble être pas mal. Après, ça fait un peu ton sur ton, là, le sol et le... Écoutez, je sais pas. Je crois que c'est le sol qui me gêne un petit peu. Mais en sol, en cuisine, je sais pas trop quoi mettre à chaque fois. Ah, celui-là me paraît mieux. Ici, on le met en blanc. Ah, ouais. En blanc, c'est mieux. En blanc, c'est beaucoup mieux. Ici, on va être la grande salle à manger. Je pense qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses. Ah, ici, on va être la poubelle, les gars. On va être la poubelle ici. Hop, la poubelle qui donne de l'argent. Trop bien. Super. Et donc, la salle à manger. Alors, il faudrait quand même une grande table, hein, parce que la dernière fois, on avait une petite table. C'était pas très pratique. Celle-là, elle est quand même grande. Ouais, celle-là, elle est géante. Elle est trop bien, mais bon. Est-ce que ça va aller? Moi, j'aime bien cette table, mais elle est vraiment très, très grande. Hein. Elle est vraiment très grande. Je sais pas si ça va bien aller. Hein. Écoutez, on essaye. Par contre, ça, on va le virer parce que ça nous prend de la place. Ok. En termes de chaises, moi j'aimerais bien mettre des chaises un petit peu orangées si possible. Ah mais là ils vont pas pouvoir passer les bougs. Hein. Je crois qu'ils vont pas pouvoir passer. Hein. C'est ça le souci en fait, c'est qu'ils vont pas pouvoir passer je crois. Ah là là, je sais pas du tout. Faut faire un test. Allez, viens t'asseoir s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'asseoir? Oh si, et là tu peux t'asseoir aussi? Ok bah nickel. Bah tu peux partir, c'est tout. On avait besoin de toi que pour ça. Allez au revoir. Ok top. Ça c'est chouette du coup. Sur la table j'aimerais bien mettre des fruits. J'aime trop mettre des petits fruits comme ça. Ouais, super. Là, on va mettre une sorte de tableau ou quelque chose au mur. Ah, ça, c'est trop chou. J'aime trop ça. Mais ça, je vais plus le mettre dans le salon, non? Je sais pas. Quoique, c'est mignon ici. Moi, je trouve ça cute ici. C'est trop joli. En termes de petits rideaux pour la cuisine, on pourrait peut-être mettre un truc genre là. Mais ça, je trouve ça fait très, très gros, non? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça change. J'en mets jamais. Je pense que je vais le laisser. Par contre, ça, ça fait ton sur ton. Ça me stresse. Je pense que je vais le mettre bien blanc, genre. Ouais, blanc. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Là, ça me va. Là, c'est cool. Ici, on va faire une sorte de petite entrée, ce qu'on n'avait pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'entrée qui ferait mignon? Moi j'aimerais bien une sorte de console comme ça, vous voyez? Ouais, un peu comme ça, genre j'aime bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu de bazar, vous voyez, qui traîne, genre des chaussures, des choses comme ça. Ce serait chouette que ça fasse un peu de vie. Genre des bouquins qui traînent un peu, parce que les enfants ils ont pas eu le temps de les ranger. Genre, vous voyez, ce genre de choses. Oh, les biscuits pour Neko, trop bien. Ça, je le trouve énorme à chaque fois. Je le rapte ici parce que c'est beaucoup trop gros. Mais j'aimerais bien que ça traîne, ça aussi. Genre, je sais pas où. Peut-être comme ça, genre. J'aime bien que ça traîne un petit peu avec des jouets partout, ça me fait rire. Oui, il en faut pas pour me faire rire. Ça pourrait être un truc qu'ils ont fait à l'école, par exemple, vous voyez, c'est, je trouve ça trop mignon, moi. Au niveau du tapis d'entrée, on en avait pas. Quelle erreur. Hop, on va mettre celui-là. Et j'aimerais bien changer, pourquoi pas un mur, ce serait pas mal. Peut-être à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est pas beau. Pourquoi pas un petit mur en pierre à ce niveau-là, vous voyez. En fait, j'en mets tout le temps, c'est vrai, mais genre, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose, les petits murs en pierre comme ça. Je trouve ça super mignon, super kiki. Par contre, c'est vrai que plus je vois le tableau, moins il a de concordance avec le reste. Je sais pas si je le vends, mais je l'adore vraiment ce tableau. Il est vraiment joli. C'est vrai qu'on a besoin d'argent là. Il est vraiment beau, hein. Mais il va pas avec le reste, je trouve. Quoique, je sais pas. Bon, allez, on le vend. Oh! Ça me fait trop mal. Ça me fait trop trop mal. Il était magnifique. Attendez, on va de suite remettre la petite carte postale qu'Hector nous avait donnée ici. Voilà. L'urne. L'urne de Timothy. Où est-ce qu'on peut la mettre, les gars? Je sais pas du tout. Hein. Compliqué. Je pense que je vais la mettre au-dessus du frigo. Ah, mais elle est vraiment trop grande. Attendez. Ouais, je vais la mettre comme ça. Au-dessus du frigo. Il trône au-dessus du frigo, le con. Non, je vais pas le mettre là quand même. Bon, on va le mettre ici pour le moment. Hein. Tu restes là. Bon, là, ne nous dispersons pas. On a quand même beaucoup de choses à faire en haut. Hein, on va se calmer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au niveau du canapé? Ça, je sais pas. Parce qu'il faut pas que ce soit un canapé très, très, très cher pour le moment. On n'a pas non plus plein d'argent, quoi. Faut se calmer, l'haricot. On pourrait partir sur un truc comme ça au départ. Je vous rappelle qu'il faut que Lorena ait une chambre. Donc... compliqué. On va déjà placer les trucs vitaux, genre le lit de Lorena, etc. Alors Lorena, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme lit? Oh, je sais pas du tout c'est quoi son style en vrai. J'aimerais bien lui faire un style un peu vert bleu comme ça. Je fais jamais, donc je vais essayer de faire ça. Et en haut, du coup, attendez, j'ai combien d'enfants? Ouais, je me perds. Attendez, il faut que j'aille revoir. Ok, donc j'ai une ado, donc on va dire 3 lits normaux et 2 bambins. Ok, 3 lits normaux et 2 bambins. Donc là, on a 2 lits normaux, ce qu'on va enlever. Donc là, ce sera les 2 bambins qui sont là. Ok, ils ont leur chambre. C'est déjà fait. La chambre des deux autres là. Elle va être là. Ok. Ok. Donc on va leur placer leur lit déjà. Je sais pas si je mets un lit superposé ou je sais pas trop. J'ai envie de faire un truc comme ça aussi parce que je le fais jamais. Vraiment, je fais jamais ça. Ça pourrait être assez sympa de pour une fois mettre un lit comme ça. Je sais pas. J'aimerais bien. Mais bon, non, c'est bizarre. Hop, je vais mettre un petit lit comme ça.
Voilà. Et un autre lit. Alors, voyons. Comme ça. Ok. D'accord. Donc là, ils peuvent tous dormir, c'est ça? Non. Trois lits normaux et deux bambins. Donc là, il manque un lit. Ok. Comme ça, ça suffira. Ok. Là, on devient un petit peu ric-rac au niveau de l'argent, les gars. Vraiment, on devient ric-rac. Hein. Oh. Je crois que j'ai abusé. J'ai un petit peu abusé, là. Bon, tant pis. On va vendre cette poubelle qui est pas très belle. Hop. Tant pis. Ça nous rajoute un petit peu d'argent pour quand même faire la salle de bain qui est vraiment indispensable parce que vraiment, c'est pas possible, ces gosses. Hein. On va mettre la douche. Une douche un peu comme ça, voilà. Et le lavabo. Au fur et à mesure, écoutez, on améliorera. Hein. Après, sinon, on peut vendre l'ordinateur. Hein. Mais ils vont pas être contents, les mioches. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ok, ça, c'est bon. La salle de bain, elle est faite. Parce que l'ordi, il vaut combien? 800? Ah, il vaut pas beaucoup. On va leur laisser. Du coup, là, on a ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. On a donc une chambre pour adolescents, enfants. On a la salle de bain à ce niveau-là. Là, on a une chambre, enfin, pour Lorena. On va un petit peu améliorer, évidemment, plus tard. Pourquoi il y a un cactus dehors? What the fuck? Attendez, on va le reprendre, on va le mettre là. Ah oui, il allait là, c'est vrai. Il allait à ce niveau-là. Alors attends-toi. Hop. Pourquoi tu voles? Pourquoi est-ce que tu voles? Monsieur le cactus, cessez donc de voler. Je ne comprends pas. Voilà, merci. Ok, c'est mieux. Ah, là, on a mis un mur sans faire exprès. Hop, voilà, ok. Mais je trouve quand même qu'on a quand même bien avancé. Là, on a notre poubelle d'ailleurs qu'on va remettre. Hop, voilà. On a le petit calendrier adorable qu'on va pouvoir mettre ici. Voilà. La gamelle de Neko, où est-ce qu'on peut la mettre? Je pense qu'on va la mettre là. Voilà. Avec les chaises, ça va bien. Et le chevalet. Alors, le chevalet, on va le mettre où? Bonne question. Eh bien, écoutons, on va le mettre dans sa chambre. Pourquoi pas? Pour qu'elle soit tranquille pour peindre. Voilà. Ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît vraiment pas mal. Hein. À ce niveau-là, j'aimerais bien leur acheter un peu de jouets et leur mettre un lit différent à chacun. Voilà, par exemple, comme ça. Et acheter un petit jouet, genre pour qu'ils puissent se divertir. Ouais, ça, par exemple, vous voyez. Genre des petits trucs comme ça. Ok, voilà. Ah, oh, top, top. J'aime bien. Ok. Ok, ça me paraît vraiment cool, vraiment pas mal, j'aime bien. Je pense que c'est accessible partout. Enfin, j'espère en tout cas. Je vais attribuer les lits quand même, sinon ça va être compliqué. Ok, voilà, les lits sont tous attribués, sauf celui de Lorena. Ah bah je peux pas. Ah bon, bah on va dire que c'est mon lit. Hein. Ah, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beaucoup mieux. Genre, il y a beaucoup plus d'espace et tout, ça me paraît beaucoup, beaucoup mieux. Ah, mais du coup, on lui a pas acheté son lave-vaisselle et sa table d'activité. Bon, on le fera plus tard. Je pense que là, elle va manger et elle va aller faire un tableau pour vraiment regagner de l'argent. Oh, Neko, il est tout sale, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je pense que je vais demander à elle de lui donner un bain. Allez, Loretta, va donner un bain à Neko, s'il te plaît, merci. Oh, elle nous refait la Joconde. Oh, mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Je crois que c'est un chef-d'œuvre, ça encore. Hein. Ok, Loretta donne le bain à Neko, nickel. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais la téléporter, sinon ça va prendre des plombes. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'y a rien dans le frigo? Ah, il y a ça. Top. Elle va pouvoir manger. Ok, ça vaut 929. Oh, la déception. La dernière fois, ça valait beaucoup plus. Je suis choquée. On va refaire une toile. Pendant ce temps, Loretta, qu'est-ce qu'elle fait? Non, Sierra, va te coucher, s'il te plaît, au lieu de taper ta crise, là. Toi, t'as faim. Bah, mange, du coup, au lieu de rester devant comme ça, là. Toi aussi, bah, mange, tout simplement. Elle va aller se coucher, très bien. Et toi, bah, tu t'évanouis. Bon, bah, voilà. Toutes les femmes de cette famille y passent, hein. Bah, oui. Voilà. Bon bah après elle ira dormir hein, forcément. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est mortifiée. Qu'est-ce qu'elle a? Arrêtez de me regarder. Parfois vous avez l'impression que vous ne faites rien de bien et que tout le monde vous juge. Oh là là ma pauvre, hein, t'as des vrais problèmes. Hein. Qui c'est ça? Il y a Timothy dans mon lit qui pleure. Bon bah super. Enfin le fantôme de Timothy du coup. Ah oui il est là, le pauvre. Il est mort vraiment d'une manière assez tragique. Hein. Ok, toujours pas un chef-d'œuvre. Bon bah tant pis. Écoutez c'est pas grave. Oh non il a cassé mes toilettes. Non mais franchement. Depuis tout à l'heure en plus vous devez me le crier en mode les plaques. Oui bah j'entendais pas. J'entendais pas. Désolé. Bon lui. Je pense que je vais aller le laver parce qu'il sent le rat mort. Elle va aller manger. Très bien, elle se réveille. Et ensuite, on lui donnera le bain une fois qu'elle aura mangé. Non mais Fleur, pourquoi tu joues de violente devant chez nous? N'importe quoi. Ok, on a fait un chef-d'œuvre. 2400. Ça, c'est super. J'adore. Oh, ils ont grandi. Je voulais te faire leur anniversaire. Je suis teubée. Je suis teubée, les gars. Bon, trait de caractère aléatoire. Initié, ok. Et Sierra grandit aussi, j'imagine. Voilà. Elle a été chiante. Elle a été pénible. Donc on va la mettre sociable et trait de caractère. Hop, rat de bibliothèque. Ok. On va partir les relooker un petit peu. Ok, donc voilà Marc dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ensuite, on a Sierra qui nous a vraiment cassé les quick-quick. Dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud
étant froid. Tiens, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez que plus tard, ils aient une piscine? C'est vrai qu'on n'a jamais eu de piscine avec les matriarches. Et ce serait un petit peu intéressant d'avoir une piscine, genre, pour les voir patauger et tout. Dites-moi ça en commentaire. Ah, ça commence à faire beaucoup de gosses, hein, moi, je trouve. Hein. Mais là, on n'a plus aucun moment à s'occuper. Ça, c'est cool. Loretta, elle est en train de promener le petit Moumoun, mais bon, ils vont bientôt rentrer, je pense. Et Lorena, elle va aller au dodo. Oula, Selenia, t'es tout feu, tout flamme, hein, on va dire. Hein. Non, mais alors là, t'as cracax, hein. Non, mais... elle a cracax dans son slibard. J'ai hâte de voir le haut complètement refait, etc. J'aimerais bien faire un petit atelier de peinture à Lorena. Ce serait plutôt pas mal. Faut aussi rappelez-vous qu'on fasse une sorte de dépendance pour Lorena, pour qu'elle puisse faire des cours de yoga rémunérés. Hein. Ok, allez, un petit pipi. On va prendre des restes. Ou peut-être des céréales pour changer. Allez, Lorena, on sort la poubelle. Oh, et là, on va avoir beaucoup, beaucoup de cadeaux dans la boîte aux lettres. Hein. Moi, je vous le dis, vu tous les gosses qu'on a eu et tous les anniversaires. Ok, c'est parti, on va voir. Ah bah non, pas du tout. Allez, voyons. Ah, j'ai peur. Oh, tout ça, trop bien. Alors, on va vendre tout ça. Mais c'est horrible. Ça, en vrai, je pourrais grave le donner à mes enfants. Oh non, c'est horrible. Oh bah tant pis, ils ont assez de jouets, c'est bon. Hein. Ah, Hector veut qu'on aille chez lui. Ok. Écoutez, ça va nous rappeler des souvenirs. Qu'est-ce qu'il veut encore? Et mais lui, il nous lâche pas la veste, hein. C'est pas possible. Hein. Faire crac-crac. Allez, c'est parti. Écoutez, ça va leur faire passer le temps. Ah, il veut pas. Il veut pas. D'accord, bah super. Bah génial, on se sent un peu rejeté. Enceinte jusqu'aux yeux et rejeté. Je sais pas si c'est très bien. Oh, eh bien écoutez, on n'a pas le temps de faire crac-crac. Ça y est. Alors attendez. Avoir un bébé à l'hôpital. Rejoindre. On y va avec Hector, notre gars sûr. Ok. Allez, moi j'aimerais bien une fille. Bon, évidemment, c'est encore un fantôme qui nous accueille. C'est vraiment... l'éclate, vraiment. Non, c'est faux. C'est très très faux. Ok, monsieur, dépêchez-vous. Ah, vous avez un petit peu un style de hipster. Vous voulez être notre prochain papa? Genre Kenichi Tamura? Y'a pas de soucis. Oh, un garçon. Ok, c'est un garçon. Ok, je scroll. Le prénom que je vois, c'est... Étienne. Ok, Étienne. On n'a pas déjà eu un bébé qui s'appelait Étienne? Oh, je m'en souviens pas. Ok, j'ai mis le nom de famille qu'il faut. Étienne, ok, c'est parti. Voilà, le nouveau petit bébé. Oh, j'allais dire trop mignon, mais non, je le pense pas. Faut pas le dire, je le pense pas. Donc écoutez, c'est comme ça que se termine ce 50e épisode du 100 bébés challenge. Avec une naissance quand même et une grosse rénovation. Je pense que la prochaine fois, on fera vraiment tout ce qui est la dépendance pour faire les cours de yoga. Puisque Lorena adore le yoga et elle veut faire des cours collectifs. Et n'oubliez pas de me dire si vous voulez une piscine. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu de piscine encore dans ce challenge, donc j'attends vos commentaires. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, et à la prochaine. Ciao.